Ça y est, je l'ai. Oh, Chimian. Mais... Mademoiselle Carré, où avez-vous pris ce carnet? Est-ce que vous vous rendez compte, mademoiselle, de ce que vous venez de faire? Oui, mais monsieur... Non seulement vous humiliez vos professeurs en les caricaturant, mais vous cambriolez mon bureau en passant par la fenêtre. Non, mais monsieur, je vous assure que... Écoutez, n'aggravez pas votre cas en mentant, mademoiselle. Sinon, comment auriez-vous pu faire pour récupérer ce carnet? Alors? On me l'a donné. Ah oui, on vous l'a donné. Et qui vous l'a donné? Je peux pas vous le dire, monsieur. Continuez à aggraver votre cas. Parlons maintenant des caractères orduriers de ce carnet. C'est des dessins, c'est tout. Des dessins? Vous appelez des dessins? Vous oubliez les annotations respectueuses envers vos professeurs? Mais passons là-dessus. Le cambriolage de mon bureau est un fait beaucoup plus grave. Je ne vous cache pas, mademoiselle, que vos parents seront avisés. Je leur signifierai votre passage devant le conseil des disciplines. Je ne vous cache pas non plus que je demanderai votre exclusion immédiate de cet établissement. Je vous en supplie, monsieur, faites pas ça. Il fallait réfléchir aux conséquences de vos actes, mademoiselle. Entrez! Bonsoir, monsieur le proviseur. Puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Quoi s'agit-il? C'est à propos de mademoiselle Carré. J'ai appris que vous l'accusiez d'être rentrée dans votre bureau par effraction pour récupérer un calepin qui lui appartenait. Bien sûr que je l'accuse! C'est l'évidence d'un fait! Excusez-moi, mais ce calepin, c'est moi qui l'ai pris sur votre bureau et qui l'ai remis. Comment ça, vous? Oui, en effet. Tout à l'heure, je suis venu chercher des notes de service, comme vous me l'avez demandé, et j'ai reconnu le calepin de mademoiselle Carré. Je l'ai pris pour le lui rendre et pour vous éviter à avoir à le faire. Comment ça, afin de m'éviter à avoir à le faire? Oui, j'ai pensé que vous ne pouviez pas garder le journal intime d'une élève. C'est bien trop personnel. Ah bah oui, évidemment. Alors c'est vous? Oui, c'est moi qui ai pris le calepin sur votre bureau et qui l'a remis à mademoiselle Carré. Très bien, monsieur Devigné. Mademoiselle Carré, vous pouvez disposer. Et je vous présente mes excuses pour ce qui aurait pu être une erreur judiciaire. Mais reconnaissez que les apparences étaient contre vous. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur le proviseur. Mais j'aimerais savoir cependant pourquoi vous m'avez pas dit que c'était monsieur Devigné qui vous avait remis ce carnet. C'est moi qui lui ai conseillé d'être discrète là-dessus. Je voulais vous en parler d'abord. Très bien, très bien. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Maintenant que nous sommes seuls, Devigné, pourquoi avez-vous fait cela? Simple question de philosophie, monsieur le proviseur. Simple question de philosophie.